Bonjour à tous, je suis en compagnie de Christian, notre guide VTT électrique aujourd'hui à Megève. Bonjour Christian, merci de nous accompagner aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le parcours qu'on va faire? Là, on part du centre du village de Megève. Où est-ce qu'on va aller? Alors, on va partir en direction du lac de Javennes. On va prendre le petit chemin du calvaire. L'avantage de partir par ce chemin, c'est que c'est un peu l'initiation. Ça permet de voir un peu votre niveau là du groupe. Et puis c'est très joli surtout. Et puis après on va monter vers le lac de Javennes où vraiment il y a une très très belle vue. Et après on sera plus dans les chemins bien entendu. On va sortir du village. La différence, qu'est-ce que c'est la différence entre le vélo électrique, vélo normal? Qu'est-ce qui va nous apporter ce vélo aujourd'hui? L'avantage d'un vélo électrique, c'est qu'on peut vraiment emmener toutes les familles à partir de 9-10 ans, en 1m40 environ. On peut emmener des gens qui sont très physiques, vu que les vélos électriques, on a la chance, c'est vraiment des beaux vélos. Vous avez des modes économiques, où ça va être juste pour le poids du vélo, on va dire. Vous avez plusieurs modes, donc plus ça peut aller jusqu'à turbo, voilà, il y a plusieurs modes. C'est avec une personne qui n'est pas du tout physique, elle peut suivre le parcours pareil qu'une personne qui est très physique, quoi. Et puis les sensations, est-ce que ça diffère? Là, on est sur de beaux vélos. Alors les sensations, l'avantage d'un vélo électrique, c'est vrai qu'il est un petit peu plus lourd. Par contre, niveau stabilité, c'est plus stable qu'un vélo classique. Et les vélos électriques sont équipés de pneus plus larges et c'est vraiment très bien, quoi. Niveau sécurité, c'est aussi sécurisé qu'un vélo normal, voire même plus, quoi. Et ça marche très très bien cet été, le vélo électrique? Ah oui, cet été, ça a vraiment explosé. Les gens sont régalés et c'est vraiment quelque chose de nouveau qu'il faut absolument essayer. Il y a peut-être un bémol, c'est que vous risquez d'avoir une addiction au vélo électrique. Mais c'est vraiment très très bien, ouais. Il y a de quoi se régaler. L'endroit il est magnifique avec le lac de Javennes, hein, qui est c'est un lac artificiel pour les canots à neige l'hiver et qui est utilisé aussi en été pour la pêche. Et puis en arrière-plan, c'est la chaîne des Aravis qu'on voit en arrière-plan. En fait, Megève, c'est vraiment, dès qu'on monte un petit peu, on a vraiment une très très belle vue sur le paysage qui nous entoure, sur les chaînes de montagne, sur la chaîne du Mont-Joli, chaîne des Aravis, les aiguilles de Barins. On a plein d'endroits où dès qu'on prend un virage, en fait, la vue est différente, quoi. Tu disais on peut le faire seul, mais c'est toujours mieux d'être accompagné de gens comme toi qui connaissent en plus très bien le territoire. Oui, merci, ouais, c'est gentil. Ouais. Non, il n'y a pas du tout d'obligation, hein, bien entendu. Heureusement d'ailleurs, hein, la montagne elle est libre pour tout le monde et il ne faut pas que ça change, hein, bien sûr. Alors l'avantage de prendre un guide, bien entendu, c'est que on voit des nouveaux itinéraires, on assure la sécurité des gens. Voilà, on a terminé notre tour ici de VTT électrique à Megève. On va arriver dans quelques minutes au village. De belles sensations, une belle balade très accessible avec Christian qui nous a guidés. Merci beaucoup Christian pour ce petit tour et puis à bientôt.